Bonjour tout le monde. Bonsoir pour nous là, qui faisons l'enregistrement de ce conseil municipal du 9 novembre 2020. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, deux choses à modifier au niveau de l'ordre du jour. D'abord, un sujet ajouté en 5.3 qui est jour du sauné. Et en 7.3.2, on annule le sujet qui est poste. Administrateur bénévole pour l'ORH. Donc, avec ces deux points-là, je vais accepter l'adoption de l'ordre du jour, proposition et appuyeur. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Adoption de procès-verbaux. C'est notre séance ordinaire qu'on a tenue le 13 octobre dernier. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. En 3.1, dérogation mineure. La première dérogation mineure concerne le 226 rue Poirier. C'est une demande et il y a eu une consultation écrite qui a été demandée. Et suite à cette possibilité, les citoyens d'acheminer leurs questions par courriel aux membres. Aucune personne n'a formulé de questions. Donc, dans ce dossier-là, on a suivi la procédure habituelle, conformément à la fameuse arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'en situation de COVID-19, c'est la façon qu'on peut traiter les dossiers. Donc, c'est de permettre une entrée sortière d'une largeur de 22,8 mètres, alors que normalement, on établit cette norme à 15 mètres. Je ne sais pas si Mme Goffard a d'autres précisions. Oui, je peux vous montrer. Je vais vous partager mon écran. Mon Dieu. Je ne peux pas partager mon écran. Voilà, désolée. Donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, c'est le 226 rue Poirier, dans le secteur industriel. En fait, c'est en vue de la construction d'un futur bâtiment. Des condos industriels. Donc, la largeur de l'entrée, là, comme vous disiez, de l'entrée chartière, pardon, est de 15 mètres et le requérant propose là, 22,8 mètres. Et le CCU a fait une recommandation favorable à cette demande-là. Merci beaucoup. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, c'est bon. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Deuxième dérogation mineure pour le 540 du bois. Encore là, c'est les mêmes processus, c'est-à-dire qu'on soumis pour consultation écrite et aussi dans le but de respecter les règles là, qui ont été données par l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. Donc, c'est de permettre de déroger à l'aménagement des zones tampons telles que requises par notre règlement de zonage 1675. Qui est une à laquelle est amplement décrite la recommandation adoptée par le comité consultatif d'urbanisme à son assemblée tenue le 17 septembre. Madame Goffard? Oui. Donc, donc, en fait, c'est pour le 540 du bois, c'est le futur projet des terres Constantin, donc un futur projet résidentiel et commercial qui s'en vient. La réglementation exige des zones tampons entre les usages commerciaux et résidentiels. Et le promoteur le souhaite déroger à ces dispositions-là quant au nombre d'arbres. Donc, notre réglementation prévoit un certain nombre d'arbres au mètre carré. Mais l'architecte du paysage là, qui a fait la proposition compense en même nombre d'arbres, mais avec différents types d'essences, donc des feuillus, des conifères, des arbrisseaux. Donc, on vient modifier un petit peu là, ce que la réglementation exige, mais on a des compensations. Puis également, cette diapositive-là, c'est donc on a la 640 là, qui est comme à droite. Puis ici, on a plancher 640. Donc, toute la zone où il n'y a pas d'arbres sur le plan, c'est qu'on souhaite conserver les arbres existants. Donc, c'est un peu incongru là, de couper des arbres matures pour en mettre des plus petits, là. Donc, c'est pour notamment ces raisons-là que le promoteur a déposé un projet un peu différent de la réglementation,
mais qui est compensé en termes de nombre d'essences qui sont plantées. Donc, voilà les coupes aussi. Là. Futur, il y aura une piste cyclable qui sera aménagée. Bien, merci beaucoup. Donc, je mentionne aussi que pour cette deuxième dérogation, on n'a pas reçu de commentaires ou de questions par rapport à ce dossier. Donc, j'accepterai un proposeur et appuyeur. Je vais proposer, M. Maire. Oui, effectivement, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, maintenant, en législation, l'adoption d'un second projet de règlement, qui est le 1675-340, donc, à l'effet de ne plus permettre dans la zone 8C03 l'usage C08 automobile type 3 et de retirer les normes qui sont applicables et d'ajouter une disposition particulière à la marge arrière minimale applicable à l'usage C02 local et C06 automobile type 1. Donc, Madame Lafarge. Oui, donc... Voilà, donc en fait, la zone 8C03, c'est la zone qui correspond entre la 25e avenue et la rue sous Recteur Lantier. Donc en fait, on veut retirer l'usage de vente automobile. Donc tous les commerces qui font de la vente automobile se retrouveront dorénavant en droits acquis. Et on vient aussi ajouter dans ce projet de règlement-là que tout futur mur d'un bâtiment principal devra être implanté à 15 mètres d'une ligne arrière de l'eau, donc pour créer un dégagement entre les bâtiments ici d'usage résidentiel là, pour des nuisances qu'ils pourraient avoir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Encore là, dans ce dossier-là, on a respecté... le processus de consultation écrite nous est demandé par rapport à l'arrêté ministériel 2020-074. Pas de questions soumises, ni de questions, pardon, et de commentaires soumis. Donc, un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Si vous permettez, M. le maire, moi, je vais le proposer. Merci beaucoup, l'équipe de l'urbanisme. Un excellent travail à ce dossier-là. Et je vais me faire un plaisir de l'appuyer. Merci beaucoup. 4.1.2, donc maintenant, concernant le règlement 1675-344, à l'effet d'agrandir la zone 6H12 au détriment d'une partie de la zone 6C13 et afin de permettre dans la zone 6H12 multifamiliale de 7 à 8 logements et naturellement établir les normes qui sont applicables. Madame Gaffard? Oui, donc en fait... Donc, on est sur le chemin de la Grande Côte. En fait, on souhaite agrandir la zone 6H12, comme vous l'avez dit, pour inclure le terrain qui est en cadré rouge. Donc, on a un projet de requalification pour un projet de 8 logements. Donc, actuellement, c'est une zone commerciale. Donc, le fait d'agrandir la zone permettrait de réaliser le projet. Actuellement, c'est un garage de vente de pneus usagés. Merci beaucoup. Donc, encore là, on a respecté le principe de la consultation écrite qui nous est demandé là, avec l'arrêté ministériel. Il n'y a pas eu de commentaires ou questions qui ont été formulées. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, M. le maire, avec plaisir. Vous allez le proposer, c'est-à-dire, M. Tessier? Oui, je le propose. D'accord, je vais vous appuyer. Merci, excusez. C'est beau, merci beaucoup. Adoption de règlement maintenant, le 1673-034. En fait, le 1673-034, c'est modifiant les règlements sur l'administration des règlements d'urbanisme, préciser qu'une contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel est exigible lors de l'intensification d'activités existantes. Commentaire, Madame? Non, c'est complet. C'est complet. Donc, proposeur et appuyeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 1675-334, c'est modifier la zone 8H15, la hauteur maximale pour la classe d'usage H07 multifamiliale, plus de 12 logements.
Donc, ça, c'est sur le chemin Grande-Côte. C'est pour respecter les hauteurs de bâtiments déjà construits, si je ne m'abuse, qui est la même hauteur, même s'il y a un étage de plus, à cause, je pense, du choix des matériaux. Oui, effectivement. Donc, c'est 7 étages maximum qui sera autorisé, mais le nombre de mètres de bâtiment là, reste le même, donc il n'y aura pas de différence là, dans, visuellement. Proposeur à Pia, s'il vous plaît. Proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-338. Permettre pour la zone 4C31 les usages C01, quartier, C02, local, d'établir également les normes qui sont applicables. On va faire. Oui, donc en fait, la zone 4C31, là, c'est la partie commerciale du futur projet de développement des terres Constantin. Parfait. Proposeur à Pia, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Je vais laisser M. Paquette le proposer, je vais le seconder. Parfait. Le 1675-339, en fait, on modifie des dispositions relatives aux réservoirs de propane dans le but de limiter la capacité de tels équipements sur l'ensemble du territoire. Vous comprenez, c'est une question de sécurité là, très importante. Donc, ça avait été proposé, en fait, par M. de Rouville, là, directeur du service des incendies. Donc, un proposeur à Pia? Je vais le proposer. Le 1675-341, c'est les dispositions relatives aux projets intégrés pour les usages résidentiels afin qu'à partir du 1er octobre 2020, toute demande soit maintenant analysée selon les dispositions du règlement 1698 aux projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé là, un PPCMOI. C'est pour réussir à mieux encadrer les projets intégrés qui, pour s'assurer du respect des normes qui sont établies, mais qu'on soit en mesure de mieux faire respecter là, les orientations urbanistiques là, du Conseil. Est-ce qu'il y a des précisions, Mme Goffard? Vous avez pas mal résumé, là, donc c'est vraiment pour retirer là, de façon normative là, les projets intégrés, puis chaque projet intégré sera analysé en détail là, via la procédure de PPCMOI. Parfait. Proposeur à Pia, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Maintenant, le 1675-343, ajouter la définition du terme « intensification des activités » existante, c'est en lien avec l'autre, tantôt, Mme Lefort. Oui, effectivement, c'est en lien avec l'autre projet de règlement. En fait, on vient définir qu'est-ce que l'intensification de l'activité, puis c'est à partir du moment qu'on a un agrandissement en aire de bâtiment. Merci. Proposeur à Pia, s'il vous plaît. Je propose. Et je l'appuie. Merci. Maintenant, règlement 1698-001. En fait, c'est modifier certaines dispositions relatives aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Mme Goffard? Oui, donc c'est en lien aussi avec le règlement précédent. Donc, on vient modifier ce règlement-là sur les PPCMOI pour ajouter des objectifs et critères dans le cadre de l'analyse des futurs projets intégrés. Merci beaucoup. Proposeur à Pia? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1830-008, c'est décréter la tarification de certains services municipaux. Là, on se prépare en vue du budget là, qui va être adopté au mois de décembre. Donc, un proposeur à Pia, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le règlement 1937, en fait, c'est notre règlement là, pour nos projets d'immobilisation pour la prochaine année de 8 980 000 $. C'est revenu du ministère, tout est à vous. Donc, j'aurais besoin de proposeurs et appuyants, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je m'excuse, j'ai essayé de trouver le micro. Vas-y, Janine. Je vais l'appuyer. Merci. Merci beaucoup.
Maintenant, au niveau avis de motion et adoption d'un projet de règlement, c'est le 1663-035. Donc, c'est un projet qui va être soumis à la consultation écrite, là, comme la formule habituelle, hein, pour respecter l'arrêté ministériel 2020-074. Donc, qui vise à protéger la santé et la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, là, comme je vous disais, c'est ça l'arrêté ministériel. Donc, explication, Madame Coffard, s'il vous plaît. Oui, donc en fait, c'est le règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. On vient ajouter des tarifs pour les compteurs d'eau. Donc, quand les gens viendront déposer une demande de permis pour une nouvelle construction, que peu importe l'usage, il y aura un tarif supplémentaire qui sera applicable pour les compteurs d'eau. Bien, ça, merci beaucoup. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Avis de motion aussi pour le 1675-342, autre projet qui sera soumis à une consultation écrite, comme le demande l'arrêté ministériel. En fait, dans ce dossier-là, c'est pour retirer pour la zone 4H32 la marge avant maximale pour la classe d'usage H01 unifamilial. Madame Goffard? Oui, en fait, c'est toujours sur le projet des terres Constantin dans la partie résidentielle. On vient retirer les dispositions concernant la marge avant maximale pour les bâtiments d'usage résidentiel. Merci. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Le 1675-345, avis de motion aussi, sera soumis à consultation écrite selon l'arrêté ministériel. C'est en fait d'agrandir la zone 2I24, c'est dans la zone industrielle, au détriment d'une partie de la zone 2I46, et de modifier les usages autorisés dans cette zone afin d'harmoniser. Dans la zone de I02, pardon, afin d'harmoniser les dispositions et les usages avec ceux de l'Innopark Albatros. Mme Goffard? Oui, donc vous avez pas mal tout dit là, pour ce projet de règlement-là. Parfait. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Autre avis de motion, et que pour le règlement 1878 sur les compteurs d'eau. Donc, on dépose ça conformément à la loi sur les cités et villes. Je dépose le projet en lien avec l'obligation d'installer les compteurs d'eau pour les nouvelles résidences. Ça va? Donc, en point 5, c'est les dossiers du maire. En fait, il y a trois points. Le premier point, un point quand même très important, c'est le décès de Mme Pierrette Tardif. Mme Pierrette Tardif qui a travaillé plusieurs années à l'époque de l'Association du sport et du plein air. Puis après ça, c'était le service sport et plein air. Mme Méthode, c'est une dame qui était toujours joviale. C'est une dame qui s'occupait beaucoup des inscriptions pour les enfants, différentes disciplines sportives, mais principalement, entre autres, le hockey. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'inscrire mes deux garçons. Je veux quand même rendre hommage à cet ancien employé qui est décédé récemment. Une longue maladie, mais malheureusement, la COVID aussi là, a atteint Mme Tardif. C'est son mari qui me l'a mentionné. Je veux en profiter autant à son mari, Denis Tardif, à Alain Tardif, son fils, Chantal, sa fille. Pour Denis, mais Denis aussi, c'est un grand bénévole chez nous. Denis, plusieurs années en fonction au niveau du hockey mineur, tant aussi local que régional. Denis était un intermédiaire important entre les différentes ligues de hockey pour régler des choses. Denis, c'était un grand bénévole. Sa compagne, Pierrette, 57 ans qu'ils étaient ensemble. Les 9 dernières années ont été moins faciles pour la santé de Mme Tardif. Denis a toujours été présent là, auprès de son épouse. Alors, c'est sûr que j'en profite au nom du conseil de tous ceux qui le connaissent, là, souhaiter les sympathies, l'usage. Moi, j'ai eu la chance
d'aller au salon et de jaser un peu avec lui. Tant qu'à Alain, son fils, c'est un autre bénévole, bénévole dans le hockey, bénévole aussi au niveau du hockey féminin, hein, a travaillé très, très fort pour le hockey féminin, Alain, et aussi arbitre au hockey de temps en temps. Donc, c'est un autre individu qui était très impliqué. Alors, mes sympathies. Chantal, leur fille, c'est une fille toujours très gentille, joviale, que moi, bon, je lui souhaite aussi nos sympathies. En tout cas, c'est une bonne dame, Mme Pierrette Tardif, qui, malheureusement, la vie est venue chercher. Deuxième sujet, ben, c'est le cancer de la prostate. Hein? Le cancer de la prostate, d'abord, le 19 novembre, sera une journée de sensibilisation pour nous, parce qu'il faut que je vous rappelle que le cancer de prostate est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes au Canada. Et pour sensibiliser le public à la cause du cancer de la prostate, l'organisme de bienfaisance Procure a mis sur pied la campagne de financement appelée Neuvembre. Pour participer, les gens sont invités à se rendre sur le site de l'organisme et à se procurer un nœud papillon en signe de soutien. En témoignage de soutien à cette campagne, comme vous le voyez, mes collègues et moi aborderons aujourd'hui le nœud papillon. Le 19 novembre est officiellement consacré Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. L'an dernier, nous avons donc adopté une résolution à l'effet de dédier cette journée à cette cause. Pour l'occasion, comme l'an dernier, la mairie sera donc illuminée en bleu, couleur associée à la campagne. Je vous invite à participer à cette campagne importante. Les contributions la procurent, bien, ça peut sensibiliser aussi les hommes à l'importance du dépistage précoce. Et ça, c'est important. Autant la prostate, d'autres cancers, le cancer du sein, le dépistage, c'est un signe de succès, en tout cas, de combattre ces cancers-là quand on le fait à temps. Donc, pour contribuer, ben ça fait en sorte que le financement de la recherche va mieux fonctionner, on va avoir plus de sous. Surtout soutenir et informer les personnes concernées par cette maladie. C'est le but de cet événement-là. Alors, bravo pour cet événement. Le 5.3 que j'ai fait ajouter, il ne fallait pas l'oublier quand même, on est aujourd'hui le 9 novembre, donc dans deux jours, le 11 novembre, jour du souvenir. C'est quelque chose de drôlement sensible, ça, le jour du souvenir. Oui, il faut se rappeler les gens qui ont consacré temps et pour plusieurs leur vie à défendre les citoyens dans des guerres, que ce soit la Première Guerre, la Deuxième Guerre ou autre guerre. Et il faut faire un petit clin d'œil aux gens qui ont participé à ces guerres pour défendre des choses. On voit aujourd'hui des fois des violences qui sont gratuites. On espère qu'il n'arrive pas d'autres éclats de guerre. Bon, les gens semblent plus raisonnables. Mais ces gens-là qui ont fait ça dans le temps, c'était pour nous protéger et protéger le futur. En tout cas, j'espère toujours que les efforts qu'ils ont faits ne seront pas en vain. Parce qu'une guerre ne règle absolument rien. C'est du pouvoir tout simplement territorial et ce n'est pas ça qui fait avancer la cause de l'humanité. Alors, merci beaucoup à nos vétérans, il y en a même dans le coin, dans la MRC de Montagne, qui sont encore bien vivants. Je leur lève mon chapeau pour ce qu'ils ont fait. On arrive à la période de questions. À la période de questions, nous avons reçu trois questions. Je vais commencer par la première, si vous permettez, de M. Michel Brault et de Mme Marie-Josée Tapp, concernant les feux extérieurs. On en a parlé ensemble, ça ne fait pas tellement longtemps. Ce que je dirais à ces personnes-là, c'est encore permis de faire des feux à l'extérieur sous la même réglementation, c'est-à-dire que, bon, il faut normalement avoir une pièce de nourriture à faire cuire sur le feu. Faut avouer que c'est quand même un petit peu archaïque comme règlement, mais on veut prendre le temps de bien l'analyser. D'abord,
Il faut dire que des faits extérieurs, quand on regarde d'un point de vue environnemental, c'est assez contraire à ce qu'on devrait faire. Qu'on parle des gaz à effet de serre, qu'on parle des particules qui s'en donnent dans l'atmosphère, la respiration de ces feux-là, peu importe. Mais bref, c'est un sujet sur lequel on va certainement trouver une forme de consultation des citoyens. Je pense que tous les citoyens, ceux qui désirent en avoir comme, ou les conserver, ceux qui ne désirent pas en avoir, je pense qu'il faut aller chercher un bon échantillonnage de citoyens qui vont se prononcer sur la question. Et si le résultat est concluant pour conserver ces feux-là, mais il faudra l'encadrer parce qu'il y a quand même l'aspect sécuritaire qui est drôlement, drôlement important. On ne peut pas prendre de risques. Puis il faut quand même être consciencieux de cette chose-là. C'est pas la même chose, vous allez me dire, mais il y a déjà eu un feu là, dans le quartier des Jardins, plusieurs bâtiments en série. C'était pas un feu extérieur, mais c'était un feu d'un barbecue. Ça n'a pas bien été. Ça a pris dans une maison, il y avait bien du vent, puis il y a eu d'autres maisons qui ont passé au feu. Donc, c'est certain qu'il faut l'encadrer, mais je veux aller vers un sondage pour voir ce que la population pense sur ce sujet. Donc, c'est la réponse que je dirais à M. Beau, Mme Tapp. Pour l'instant, c'est notre règlement le permet encore, mais on va se pencher sur la question très bientôt. Les deux autres questions, c'est sur le même sujet, mais avec deux volets différents. C'est sur les poules urbaines. Si je commence par la première question que j'ai reçue de Mme Dubé, Mme Gina Dubé, qui s'identifie comme la présidente des jardins communautaires, donc Lopin. Donc, je la salue. Elle demandait s'il ne pourrait pas y avoir un espèce de projet pilote afin d'implanter un poulailler avec un maximum de 5 poules au jardin communautaire puis à la porte dans le quartier de la Seigneurie. Bon, ce que je dirais à Mme Dubé, puis une partie de la réponse que je vais transmettre à Mme Dubé va s'attacher aussi à la prochaine question. C'est un sujet qu'on a traité là, il y a une semaine et il faut faire le tour comme fait. Je sais que souvent les gens vont mentionner que l'autonomie alimentaire. Oui, ça peut faire partie de l'autonomie alimentaire, mais je pense que la réflexion doit être beaucoup plus loin. Moi, j'ai la chance de présider la table d'autonomie et sécurité alimentaire de la CMM. C'est une nouvelle table qui a été mise en place. Pourquoi? Parce qu'avec la COVID-19, il y a comme des lumières qui se sont allumées pour dire ben, l'impact de la pandémie par rapport aux marchés mondiaux, par rapport à s'approvisionner, etc. Et là, il y a beaucoup de joueurs là-dedans. Il y a le MAPAC, il y a le ministère de l'Économie, il y a aussi des gens qui sont des détaillants, distributeurs alimentaires, des gens qui font le réseau de transport du service alimentaire, les agriculteurs, les entreprises qui font de la transformation alimentaire. Il y a une très, très grande réflexion à faire pour s'assurer que l'autonomie est là tout le temps et principalement quand il arrive une situation de pandémie. C'est sûr que les poules, quand on les regarde juste dans notre chez-soi, on peut penser que, bon, oui, c'est le fun, des œufs, on peut les manger, bon, je comprends tout ça, mais il faut l'encadrer. Encore là, c'est un dossier que moi, je veux soumettre à la population pour être capable d'avoir un son de cloche de tout le monde. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui ont des questions, pour en faire, au départ, c'est entendu sur ça, les élus, un projet pilote. Je ne sais pas dans quel quartier. Ça sera si on fait un projet pilote après le résultat du sondage, ça sera un projet pilote qui sera encadré, qu'on pourra se servir après pour corriger, améliorer, peu importe, et l'inclure après ça dans notre réglementation de gestion animalière. Mais aussi, les poules, ça peut même être inclus dans une politique, je vous dirais, agriculture urbaine. Il y a différents volets, ça a un angle environnemental et on va essayer de le faire le plus tôt possible.
Par contre, dans la question de Mme Dubé, ça, c'est un autre point de vue. Là, on est dans un espace public. Je ne suis pas certain, avec les informations qu'on a, qu'au parc Pierre Laporte, il y aurait la place parce qu'on incorpore l'an prochain là, des tables. En fait, c'est des jardins sur table pour donner accès aux gens là, qui ont un petit peu de difficulté là, à se pencher ou ces choses-là, de pouvoir aussi faire de la culture maraîchère. Dans un milieu public, je ne sais pas si on serait encore rendu là parce qu'il faut en prendre soin. Qu'est-ce qui peut arriver avec des poules dans un milieu comme ça? Même à la limite, est-ce qu'ils se feraient voler les poules? Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais on est loin des poules urbaines sur un terrain de résidence privée. En tout cas, ça fera peut-être partie de notre réflexion. Alors, dès que possible, on va avancer. Je ne veux pas utiliser la pandémie pour dire que la pandémie a le dos large, mais je suis encore avec des préoccupations d'être obligé de gérer la COVID-19. Donc, c'est peut-être pas la priorité 1, mais on l'a à l'esprit. Mais c'est certain que je pense que ce serait intéressant qu'on y aille vers un sondage. Donc, ce que je peux faire avec ça, je peux quand même me permettre de jumeler l'autre question qui vient de Mme Joanne Thériault, qui demeure aussi à Saint-Eustache, qui nous demandait si ce serait possible de placer le sujet des poules urbaines dans des sujets prioritaires au cours des prochains mois pour sensibiliser les conseillers, la population, etc., comment ça fonctionne, et que d'en arriver à une nouvelle réglementation d'ici le printemps prochain. Comme j'ai dit tantôt, je pense bien que Mme Thériault va avoir aussi entendu ce que j'ai répondu à Mme Dubé. On va regarder le tout dès que possible. On l'inclut dans quoi? Une politique d'agriculture urbaine sous un angle environnemental? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on l'encadre? Mais je pense que le conseil, on est quand même satisfait que ce serait un projet pilote en quelque part, si on avance là-dedans. Un projet pilote, se corriger pour être capable de l'intégrer après dans notre gestion de politique animalière parce que c'est un endroit qu'il faut voir que les règles se retrouvent, si on va être capable de les appliquer. Donc, c'est ce que je répondrai aussi à Mme Thériault. Dès que possible, on va aligner. Mais je souhaite vraiment qu'on fasse un sondage pour avoir un bon son de cloche de nos citoyens. Ce sont des enjeux quand même importants. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose des villes embarquées. Il y en a qui sont fiers des villes, il y en a d'autres que je connais. Je ne dirais pas leur nom par respect pour protéger l'information, qui ne sont pas trop fiers non plus de l'avoir fait, mais il y en a qui sont totalement fiers, que ça va bien. Donc, c'est ce que je répondrai à ces deux dames-là. C'est un dossier qui va suivre son cours dès que possible. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Maintenant, on arrive aux affaires nouvelles des conseillers. On débute avec Mme Isabelle Lefebvre pour Quartier des Moissons. Remerciements et félicitations pour la collecte de compostage. Oui, effectivement, M. le maire, j'aimerais remercier les citoyens et les féliciter de Saint-Eustache. Vous savez, on a débuté la collecte de compostage en octobre 2019. Donc, en ce date-ci, ça fait présentement une année. Et on a réussi à détourner de l'enfouissement quand même 4200 tonnes. C'est pas rien, on a de quoi être fiers et ça l'a bien été. Franchement, ça a été super. On a eu des belles réunions d'information, dont quatre, les salles étaient pleines, les gens étaient prêts. On était prêts à Saint-Eustache, ça a bien été. Donc, encore une fois, félicitations à tout le monde, aux citoyens qui ont embarqué. C'est une bonne chose. Ben, merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne idée de faire ces remerciements-là, autant pour l'organisation que la participation citoyenne. Tout à fait. Je suis content, je le répète, je sais qu'on était une ville plus tard que d'autres villes pour inclure cette nouvelle collecte à nos citoyens. Mais moi, je suis content parce qu'on était capable de voir ce qui s'est fait ailleurs. Des fois, des petites erreurs que des villes ont corrigées. Bon, on a pu profiter de cette expérience-là. Ça a bien été. On l'a instauré aussi un bon temps de l'année l'an passé, si on parle de l'automne. Ça a des bons résultats et ça va mieux
que j'espérais même, parce que la réussite du tonnage est quand même très, très appréciable. Alors, c'était une très bonne idée. Votre deuxième point, c'est aussi des remerciements pour le service des travaux publics. Oui, effectivement, Monsieur le maire, c'est au niveau des digues dans mon quartier qui ont tous été faites. J'en ai, c'est des boutons, j'en ai, c'est des blocs de béton. J'ai été chercher l'information, d'ailleurs, pour mon collègue, M. Tessé. Les boutons de terre, ils sont vraiment faits avec des blocs de béton à l'intérieur, une membrane à l'extérieur. Il y en a seulement trois, la 57e et celle au niveau des îles Corbeilles, qui ne sont pas faites, que ce sont juste des petits boutons de terre. Mais tous les autres boutons de terre contiennent des blocs de béton avec de la membrane. Donc, c'est ça que j'ai reçu comme information de la part du directeur des travaux publics. Et en même temps, bien, c'est ça, je voulais les remercier. C'est une belle job. C'était attendu par les citoyens, effectivement, depuis longtemps. Donc, enfin, ils vont pouvoir être tranquilles. Là. Ça devrait bien se passer. Donc, je voulais les remercier et les féliciter du beau travail parce que ça a été pas facile avec le COVID. Tu sais, effectif réduit au départ, en plus au début. Donc, mais tout s'est réalisé dans le bon temps. Donc, un gros merci. Oui, puis ce qu'il faut souligner dans ce dossier-là, bon, moi, je vous en avais parlé aux membres du conseil. Moi, en tout cas, j'étais d'accord à donner la directive de faire les travaux le plus vite possible parce qu'on est en lien pour une subvention pour ces travaux-là. On a quand même eu un avis là, de quelqu'un du ministère qui nous dit « Oui, oui, inquiétez-vous pas, même si vous faites les travaux d'avance, là, vous allez être en ligne pour la subvention parce qu'on ne voulait pas prendre de chance du tout là, pour le printemps prochain. Il n'y a jamais de chance. Ces digues-là nous permettent à nous, avec nos services, de se concentrer sur des aides plus spécifiques, plus rapidement. Et ça, c'est les premiers endroits où, bon, l'eau va être quand même arrêtée. Oui, chaque côté, les citoyens, il faut qu'ils fassent du travail, mais on va être plus performant, plus rapide, plus fonctionnel. Et je pense qu'il ne fallait pas du tout arrêter ces travaux. Au contraire, le conseil a bien fait de prendre la décision qu'on va de l'avant, même si on recevra la subvention par la suite. Merci, Mme Lefebvre. Merci. Monsieur Tessier, du district des Îles. Donc, l'information quant à l'installation de diguettes. Demande d'information, Monsieur Tessier. Oui, Monsieur le maire, aujourd'hui, on est le jour du souvenir. Puis je me rappelais aussi, je pense que ça fait 20 ans que notre ami Nicole Carrière-Lefebvre et Patrice Paquette ont été élus, faisaient leur entrée au conseil de ville, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez 20 ans. Félicitations à nos deux collègues comme tels. Je me suis rappelé de ça tantôt quand j'ai appuyé. Là, j'étais dans mes rêves, dans mes pensées. Puis je me rappelais de 20 ans. Vous étiez arrivé avec une équipe presque complète en 2000 avec une nouvelle équipe. Option Saint-Denis. Vous ne saviez pas, M. Tessier. Vous ne saviez pas, puis ni Mme Boileau, parce que Mme Boileau a quand même la responsabilité de monter l'ordre du jour, juste avant la levée de la séance, juste avant, pour en parler. Mais ce n'est pas grave. Je trouve ça correct que vous n'ayez parlé. Je pense qu'on l'avait dans le cœur et dans l'esprit. Ben oui. 20 ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Mais bravo, c'est correct. Ben oui, ils ont enrichi le conseil de ville avec leur intervention et leur travail. Je pense que les citoyens doivent être fiers, seulement. Oui. J'en avais pas parlé. Je ne voulais pas l'avoir l'autre jour comme tel. Je voulais leur faire une surprise. Excusez-moi, parlez-moi-en. Moi, j'étais dans mes pensées tantôt. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais deux fois vaut mieux qu'une. Ben oui, eh oui, c'est beau, ça. On va l'entendre pareil à la fin. Vous me faites vous penser appuyez, à quelque chose que j'avais oublié. Bon, finalement, c'est quoi votre histoire d'information, là? Oui, monsieur le maire. Allez-y. Effectivement, il y a un processus qui s'est fait. j'ai renvoyé une image de la diguette, entre autres 57e avenue. Il devait en avoir deux diguettes à cet endroit-là qui étaient seulement avec des boutons de terre. Et finalement, il y en a une qui a été réalisée avec des blocs de béton. Et je ne sais pas c'est quoi le processus, comment ils ont changé d'idée comme tel. Parce que celui qui est juste le bouton de terre, les citoyens voudraient bien plus avoir un mur de blocs de béton là, qui est plus qui semble être plus sécuritaire.
Vous allez voir là-bas la petite butte de terre qu'il y a là. Si vous avez la chance d'aller voir ça, M. le maire, ce n'est pas vraiment haut. Fait que si on est capable d'améliorer celle-là, ce serait quand même apprécié par les deux propriétaires de chaque côté. L'autre interrogation qu'on avait, c'est les boutons de terre comme ça, l'entretien. Si on y va avec un entretien qu'on fait normalement sur nos terrains, les terrains de jeu, les espaces publics qu'on a, qui passent à peu près à toutes les semaines. Sinon, l'autre, c'est le règlement, c'est 3 fois par année. Je ne pense pas que ça fait joli pour un quartier de ces buttes de terre-là. Donc, ça, c'est les interrogations des citoyens. Et il y a aussi le déneigement qui pourrait être problématique. Il y a certaines places que les diguettes, les murs de béton, arrêtent carrément au stationnement de l'individu. Ça veut dire la charrue, la déneigeuse, elle pousse la neige elle, jusqu'au fond de la rue. Normalement, il y avait des bons monticules de neige. Là, ça va arriver devant des stationnements de citoyens. Là, j'ai su, je ne sais pas si c'est vrai, un citoyen qui m'a dit ça, il dit qu'il avait parlé avec les employés. Ils ont dit que les déneigeurs auraient un cours pour comment tirer la neige. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les instructions de déneigement spécifiques ont mentionné qu'elles avaient déjà été données aux contracteurs. OK. Je ne sais pas si c'est sous forme de formation. Je pense qu'ils connaissent ça, mais peut-être qu'ils sont ou ils vont aller voir sur place là, pour s'assurer. Mais les consignes ont déjà été données. OK. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Ça va être à suivre. À suivre, effectivement. Merci. Vous avez le panneau d'affichage Sentier Clairiel. Je pense que ça serait à déplacer. Exactement. Il y en a plusieurs qui font en sorte que les gens peuvent suivre un parcours. Dans le fond, ça tombe nulle part maintenant. Avec la diguette qui est au bout, c'est plus vraiment la projection de l'entrée du sentier écologique. Donc, il sera après le pont des îles Liel quand il y aura reconstruction du pont seulement. Merci. Le troisième point, remerciement à Famille Matters. Oui, M. le maire, je vous ai donné une lettre à vous puis au greffier de la famille Manateuse. C'est un vieux dossier qui date aux alentours de 2008 dans ces eaux-là. Je cherche un document, un rapport d'une réunion qu'il y a eu avec les citoyens quand on était dans l'échange avec la ville de Beaubriand pour justement les limites comme telles. Puis, il y avait une discussion et... qu'est-ce qui arrivait souvent? Les gens, quand ils sortent de l'autoroute 13, on voit encore comme un genre de fond de cour comme tel. Il y a différents endroits qu'on pourrait dire aménagés. Et d'ailleurs, de très beaux feux de camp à cet endroit-là, M. le maire, dans plusieurs, et comme tel. Et qu'est-ce qui... La famille Matheuse, elle m'a donné la lettre qui parle « Ayant toujours à cœur d'aider les citoyens à avoir une meilleure qualité de vie, Carrière Saint-Eustache désire céder à la ville 30 pieds de large sur le lot un tel, terrain situé sur Hector Lantier, chemin Grande-Côte pour faire une piste cyclable. » Ça a toujours été le projet qu'on a parlé. Donc, c'est 30 pieds de large par probablement, peut-être pas 1000 pieds de long, mais tout près, comme tel. C'est un vieux dossier. Je suis vraiment content. C'est eux qui m'ont contacté. Ça tombe bien. Je sais que le dossier est sur analyse à la ville. Moi, je pense qu'on a une très belle occasion d'au moins garder ce bout de terrain-là. Si on ne le fait pas demain matin, si ce n'est pas dans 2 ans, ça sera dans 3, mais au moins, on aura le terrain en main. Fait que c'est un don. Il n'y a rien d'autre qu'un don à la ville. Donc, la lettre est déposée et si j'en parle aujourd'hui, bien, je sais que beaucoup de gens de mon quartier me parlent du conseil télévisé maintenant. Ils aiment bien ça, voir ça, par le service. Puis je suis toujours étonné quand il y a des gens me parlent que « Ah oui, on a regardé le conseil de ville. » Fait que c'est une nouvelle qui peut être propagée dans le secteur, M. le maire, comme tel. Pour ça, j'en parle au conseil de ville. C'est une très bonne nouvelle pour le secteur. OK. C'est sûr, c'est une offre. Comme je vous ai déjà expliqué,
on a un terrain au bout là, qui appartient à quelqu'un d'autre qu'on essaie de régler d'une autre façon pour être certain que quand on ferait une piste cyclable, elle serait droite, notre piste cyclable. Je ne veux pas arriver au bout et faire une espèce de petit détour, un petit croche. Là, on se ramasserait vis-à-vis d'un fossé qu'il faudrait canaliser. Mais on se ramasserait dans Boisbriand parce que c'est collé sur nous. Mm-hmm. Donc, merci pour leur offre. On appliquera en temps et lieu quand ça sera possible de l'appliquer. Puis à ce moment-là, ça deviendra quelque chose qui sera concret. Moi, je vous remercie au moins de regarder ce dossier-là sur une vision à long terme. Oui. Et comme je vous dis, ça fait depuis 2008 qu'on en parle. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci. Madame Carignan-Lefebvre, votre point, prix Paul-André Raymond. Madame Nicole, votre micro peut-être? Je vais tenir. OK, effectivement. Ben oui, monsieur le maire, le 15 octobre dernier, dans le cadre de son Assemblée générale annuelle, le mouvement Personne d'abord a décerné à la ville de Saint-Eustache son tout premier prix de son histoire, le prix Paul-André Raymond, pour s'être démarqué de façon exceptionnelle dans l'amélioration de la qualité de vie et surtout de l'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Dans son message, le président de l'organisme, M. Martin Lataigne, soulignait, et c'est ce que je veux partager, « La Ville de Saint-Eustache, via les élus engagés, un service de l'animation communautaire passionné et ses autres employés partageant des valeurs d'inclusion sociale, permet de doubler les efforts afin de faire en sorte que les citoyens vivant avec une déficience intellectuelle participent pleinement à la vie de la collectivité. L'arroseur de bonheur est à son tour arrosé. C'est donc avec un immense plaisir que le mouvement Personne d'abord lui octroie son premier prix, Paul-André Raymond, pour son support exceptionnel à la cause. Et ce que je voulais faire, ce prix et ce message, j'avais le goût de le partager avec vous ce soir, chers collègues, pour qui appuyer et recommander toutes les décisions qui nous permettent de devenir des arroseurs de bonheur. Bien sûr que je le partage également avec les employés passionnés de notre service de l'animation communautaire. Voilà, chers collègues, vous voilà votre tour arrosé. Je trouve que dans ces moments difficiles que nous vivons présentement, ce message venait mettre un baume de fraîcheur sur tout le monde. Donc, voilà, c'est fait, vous êtes arrosé. Merci beaucoup, Mme Carignan-Lefebvre. C'est vrai que c'est un très beau prix, surtout c'est la première édition. Et ce qui est encore plus touchant, moi, quand je vois ces gens-là, Personne d'abord, c'est des gens qui, bon, avec un certain handicap, ça dépasse tout le temps. Ils ont des projets, ils vivent bien avec ça, ils vivent à travers ça, ils respirent le bonheur. C'est incroyable de les voir aller. En tout cas, c'est très apprécié. Je les remercie au nom du conseil, mais surtout des citoyens, d'avoir reconnu que, bon, la ville est là derrière eux pour les aider, pour qu'ils se sentent des citoyens à part entière. Il n'y a pas de distinction chez nous. Les gens, avec ce qu'ils ont, avec leur qualité, tout le monde a sa part à faire dans notre société. Ils le font très bien. C'était vraiment touchant de recevoir ce prix-là. Je me suis permis de leur envoyer une lettre rapidement, même après qu'on a reçu là, le prix hommage. Je pense que c'était de mise que je fasse ça. Alors, merci beaucoup de l'avoir souligné, Mme Carignan-Lefebvre. Avec plaisir. Sylvie Mallette, madame. Premier point, Saint-Eustache multiservice. Oui, monsieur le maire, écoutez, j'aimerais souligner... On ne le dira jamais assez souvent, le bon travail du SEM auprès des citoyens lorsqu'ils téléphonent. Il peut y avoir des moments, des situations où c'est insécurisant de la part des citoyens peuvent vivre des choses. Et ici, on parle d'un cas vécu. J'ai un nouveau propriétaire qui avait
reçu une lettre de la ville qui l'informait que ses taxes n'étaient pas payées. Donc, évidemment, qu'il y a eu une tension qui a monté chez ce nouveau propriétaire-là. Et j'invite d'ailleurs les citoyens, je fais un rappel qui est important là, ici dans ce dossier, dans ce point-ci, soyons bien laisser le message au service du CEM qui a pu permettre la communication avec la personne responsable à la taxation. Et sur ce point-là, je voudrais souligner l'excellent travail de Mme Mignot qui, avec son œil bien aiguisé, a pu elle-même détecter la problématique et aviser les citoyens que c'était plutôt l'institution financière qui était responsable de la situation. Et en plus de rassurer, trouver la problématique, la recherche de solutions, eh bien, Mme Mignot s'est assurée jusqu'à la fin du processus que l'institution financière fasse bel et bien parvenir les sommes qui avaient été déboursées sur l'hypothèque. Alors, je veux souligner le travail de la technicienne, Mme Mignot, ici, sur ce point-là. Bien, merci beaucoup. C'est pour ça que le Saint-Eustache Multiservice a été fait à l'époque. C'est comme ça qu'on l'a pensé, qu'on l'a conçu. Mme Stéphanie Bouchard, moi, j'ai eu l'honneur de travailler ce dossier-là. Que M. Carignan m'avait donné le mandat. C'est exactement pour ça que c'était fait. Donc, votre deuxième point, Institut de l'administration publique du Québec. Évidemment, M. le maire. Écoutez, la semaine passée, on a pu recevoir sur Clique la ville, d'ailleurs, qui va être, vous confirmerez, sur le Facebook de la municipalité, un article très bien écrit qui explique avec émotion, très senti, ce qui a pu se dérouler lors de la première crise, la prise en charge de la pandémie à l'Institut de l'administration publique. M. Christian Bellemare, qui est notre directeur général, nous a admirablement bien représenté dans son article qui explique la situation et je me permets de lire un petit passage et espère aussi piquer la curiosité des citoyens qui prendront le temps d'écouter notre séance du conseil. Alors, ça va comme suit. Ce truc microscopique a changé notre vie, à tous, à tous les niveaux. On est bien peu de choses. Il faut faire preuve d'humilité, travailler avec notre monde et prendre soin de lui. On oublie parfois que la vie continue. On doit faire des embauches, rendre les services à nos citoyens. Ce ne sera pas comme avant, mais il faut trouver une façon de revenir à une certaine normalité. Il faut développer notre agilité et notre résilience. Et à travers tout ça, il y a près de 700 employés à la ville, 70 cadres, et puis les employés se sont sentis, et encore, on a pu voir un courriel dernièrement sur des mesures de protection à respecter afin d'assurer des mesures sanitaires au sein du travail. Alors, je tiens sincèrement, et je me fais le porte-voix, de remercier notre directeur général, M. Christian Bellemare, d'aussi bien nous représenter à l'Institut des affaires publiques du Québec et en même temps bien, reconnaître le travail qui est fait et qui demande, évidemment, là, Monsieur le maire, et je vous en donne un gros morceau, ça demande une échine qui est droit, solide, afin d'être capable de gérer dans des temps de crise l'ensemble d'une municipalité et de laisser ses services qui s'y rattachent. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bellemare. Merci beaucoup. C'est bien gentil de votre part. Je m'attendais pas à ça. Merci. C'est bien gentil d'avoir souligné. Maintenant, le conseiller du district Clamatin, M. Mac Lamarre. Oh, je pense que j'avais une erreur. C'est marqué « veut faire le tour du monde en course à pied ». C'est pas ça, monsieur. Non, c'est du tout. Non, pas du tout. Excusez-moi. OK. Par contre, ça me fait plaisir de vous parler d'un athlète. Je tenais absolument à le souligner. Oui. Un athlète, un grand athlète du quartier des Îles. Donc, il a participé à de nombreux événements de course à pied, tels que des courses à obstacles de type Spartan Race, des trails en forêt, un ultra-marathon de plus de 100 km. Son dada, c'est certes les marathons de 42 km. En novembre dernier, cet athlète, en novembre 2019, pour célébrer son 50e marathon, il est allé faire celui de Athènes en Grèce, là où le premier marathon a vu le jour. Cet homme a été intronisé au Panthéon, de Marathon du Québec. Honneur mérité parce qu'il fait partie du groupe sélect des 19 vétérans qui ont complété cette course depuis sa création, soit 23 fois. Et pour continuer son parcours, un 50e marathon était prêt de se cumuler, ce qui l'amenait à faire plus de 40 000 km de course à pied. Donc, cet athlète, c'est Alain Bouliane qui a complété son 40 millième kilomètre de course à pied il y a environ un mois ici,
dans un marathon maison qu'il a fait ici à Saint-Eustache, dans la ville, bien sûr. Il a dû parcourir Boisbriand, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe et Laval-Ouest. Donc, c'est tout dernièrement, en octobre 2020, qu'il a réalisé cet exploit. Alain court toujours, je vous le confirme. Si vous passez vers 16 heures sur la rue Saint-Laurent en jour de semaine, vous allez certainement le voir jogger. Donc, je pense que ça vaut la peine de le souligner. C'est un bel exploit, c'est inspirant. Puis, des athlètes comme ça sont très impliqués également. Alain a aussi fait partie là, de la course des Pères Noël qui a eu lieu là, dans les dernières années. Donc, je voulais absolument que le conseil de ville puisse lui rendre hommage. C'est vraiment le fun d'avoir des athlètes comme ça et de partager avec des grands amis. Hey, merci beaucoup. C'est bien. Madame Mathioli, district de la Seigneurie, le premier point, parc Pierre Laporte, je pense que c'est pour les nouveautés. Oui, je suis tellement contente. On a trois belles nouveautés. Une qui est déjà réalisée et deux autres qui devraient être réalisées l'année prochaine. Donc, si vous allez faire un tour dans le parc Pierre-Laporte, j'y étais justement tantôt, puis on peut voir l'installation d'un nouvel exerciceur que on peut faire plein de choses dessus. Même si on dit que c'est juste pour une personne à la fois, j'ai l'impression qu'on peut être bon. En dehors de la COVID, on pourrait quasiment être cinq sur cette machine-là, tellement qu'il y a d'exercices qu'on peut faire. Il y a un beau panneau qui explique un petit peu c'est quoi les exercices à faire. Donc, ça, c'est déjà en fonction. Très heureuse que ce soit installé. Ensuite de ça, l'année prochaine, on devrait voir aussi un tableau d'affichage. Donc, à partir de là, les gens vont pouvoir annoncer s'ils ont des exemple, Lopin qui veut faire des activités, ils vont pouvoir l'annoncer sur ce tableau d'affichage-là. L'association de quartier, si on veut tenir des activités, peu importe les demandes ponctuelles qu'il va y avoir. Donc, ça va être intéressant d'avoir ce panneau d'affichage-là dans le parc. Et aussi, au Lopin, donc le jardin communautaire, je vole un scoop là, à M. Tessier, là, un petit peu plus loin, on va l'adopter, là. Mais dès l'année prochaine, le jardin va pouvoir se munir de trois jardinets surélevés. Donc, c'est des jardinets dans des bacs beaucoup plus hauts, donc beaucoup plus facile de jardiner sans avoir à se pencher. Donc, l'an prochain, il va y avoir des belles nouveautés de plus au parc Pierre-Laporte et je suis très heureuse. Très heureuse pour les citoyens aussi. Merci. Vitesse sur le boulevard Goyer-Sud de Saint-Laurent. Oui, bien ça, j'imagine, bon, tous mes collègues doivent avoir une rue ou deux dans leur quartier problématique, qu'à chaque année, ils ont des demandes de vie, qu'il y a des demandes comme quoi qu'il y a de la vitesse sur une rue ou deux ou peut-être trois. Bien moi, c'est le cas sur le boulevard Goyer. À chaque année, il y a des demandes. Dernièrement, j'ai un citoyen encore qui m'a appelé, il a fait des... qui a téléphoné la police pour aviser encore. Donc là, je ne sais pas les dates de quand, le dernier comptage. Par contre, je me demande, est-ce que ça serait possible, bon, si ça fait longtemps, est-ce qu'on peut refaire un comptage? Donc, évidemment, c'est une demande là, pour la commission de la circulation et du transport. Est-ce qu'on peut refaire un comptage pour éventuellement avoir un afficheur de vitesse permanent qui pourrait être des deux côtés? Autant pour s'en aller vers Boulevard, vers Saint-Laurent et vers Grande-Côte. Donc, les citoyens posent toujours la même question, me disent toujours la même chose, en fait. Les policiers ne viennent jamais à la bonne heure. C'est jamais à ce moment-là où ils peuvent voir vraiment l'état de la vitesse. Malheureusement, ce que je réponds moi, aux citoyens, c'est que les policiers ne peuvent pas se diviser en 15. Il y a plusieurs autres rues qui ont cette même problématique-là. Donc, les policiers se promènent un petit peu, évidemment, dans toute la ville. Donc, ils ne peuvent pas être à l'heure précise à chaque endroit. Ils ne peuvent pas se cloner. Donc, ça viendrait, je pense, régler, du moins atténuer le problème, avoir cet afficheur de vitesse-là. Les gens sont très sensibles à ça. Tout avec le prochain point que je vais parler avec le retrait de la brigadière, je pense que ça pourrait être un bel outil qu'on pourrait installer. Le prochain point, brigadière? Oui. Bien, j'invite... C'est moi, M. le maire. Afin de bien comprendre la demande, si je comprends bien, ce serait une demande de comptage et aussi de prévoir l'achat éventuellement selon le comptage pour deux afficheurs de vitesse au sud de Saint-Laurent, entre chemin de la Grande-Côte et la rue Saint-Laurent.
Exactement. Mais comme je dis, le comptage, je ne sais pas quand est-ce qui a été fait pour la dernière fois, mais je pense que ça va être quand même soit à l'analyser l'ancien comptage ou dans le refaire un, si c'est nécessaire, en fait, là, de refaire un comptage. Mais je pense que oui. Hein? Je m'assurerai que la demande va se rendre à la commission. Merci, Mme Mallette. Brigadière. Oui, donc comme je viens de mentionner, on a une petite nouveauté au coin du boulevard Goyer et Saint-Laurent. Dernièrement, il y a eu le retrait de la brigadière. Par contre, le feu de circulation a été sécurisé. Donc, j'appelle à la prudence autant les enfants qui vont à l'école Clairmatin, autant le tout piéton, parce que là, présentement, le feu dit que c'est interdit de tourner à droite en tout temps. On a refait une demande. En fait, on avait fait la demande, mon collègue Marc Lamarre et moi, pour que ce soit simplement du lundi au vendredi, pour ne pas pénaliser les gens, pour expliquer en fait aussi le retrait de la brigadière qui est là pour l'école. Donc, on a fait la demande là, que ce soit rajouté, que ce soit juste du lundi au vendredi pour que les soirs et fins de semaine, ça puisse revenir avec le virage autorisé à droite. Donc, j'appelle vraiment à la prudence, autant les automobilistes que les piétons, les cyclistes, de faire attention. C'est important d'appuyer sur le bouton pour traverser. Le feu est sécurisé. Les quatre lumières sont au même moment rouges. Donc, les enfants vont pouvoir circuler de façon sécuritaire. Donc, c'était simplement un petit point pour mentionner que faire attention. Merci. Bordure de béton, particulièrement courbe de la 15e. Deux courbes, oui, M. le maire. Deux courbes de la 15e. J'ai deux citoyens qui m'ont demandé. Leur rue, elle vient juste d'être refaite, une belle rue avec un beau gazon, tout frais fait. Malheureusement, dans deux courbes en particulier, gazon est déjà magané parce que les gens prennent la courbe trop... soit trop vite ou trop par l'intérieur. Il y en a une des deux en particulier, là, qu'elle est vraiment, c'est une courbe, il faut vraiment aller très tranquillement pour pouvoir la prendre. Donc, les citoyens essayaient de voir une solution pour éviter qu'à chaque année, de un, ils aient à téléphoner pour faire réparer leur gazon, parce qu'ils ont la problématique aussi l'hiver, que la déneigeuse ben, ramasse le gazon. Donc, de un, ça serait pour régler cette problématique-là d'être obligé d'appeler à chaque année. Puis aussi, de deux, bien, pour nous, avoir à payer à chaque année d'aller faire les réparations à ces endroits-là. Donc là, on essayait de regarder qu'est-ce qui était possible. Bordure de béton, c'est super beau, c'est bien pratique, mais comme c'est aux citoyens à payer, c'est quand même une dépense assez considérable. Puis on essaie de trouver une alternative avec les citoyens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire pour éviter aux citoyens d'avoir à payer ce montant-là sur une rue qui appartient à la ville et un bout de terrain qui appartient à la ville? Donc, on essaie de voir d'autres alternatives. J'avais soumis quelque chose, mais je pense qu'avec les travaux publics, on a parlé que c'était peut-être pas l'idéal pour plusieurs raisons, côté esthétique non plus. Je pense que la bordure demeure ce qui est de plus beau. J'ai vu hier dans les rues, pas mal dans les courbes, qu'il y a des poteaux qui ont été installés pour la déneigeuse. Est-ce que cette année, ça va faire la différence? Je ne sais pas. Mais la problématique est autant l'hiver, en fait, était aux quatre saisons. Donc, peut-être rappeler, M. le maire, là, je ne les connais pas par cœur, là, peut-être rappeler c'est quoi les consignes pour si on veut faire une demande pour une bordure de béton. Je pense que c'est à l'urbanisme qu'il faut faire la demande, c'est le citoyen et le propriétaire lui-même. Hein? Non, normalement, ça devrait être un dossier qui serait chapeauté par le service du génie parce que le service du génie, quand tu vas en appel d'offres là, pour des travaux, peut-être suivi aussi par les travaux publics. En fait, si dans une courbe, je ne sais pas, je donne un exemple, il y aurait 5 mètres à couvrir, bon, ça va être mesuré. Et quand on va aller en soumission pour nos propres bordures, des fois qu'on refait, à ce moment-là, la personne paierait le même prix que nous. Puis on s'assure aussi d'une certaine homogénéité là, dans les travaux. Parce qu'à l'époque, il y a eu des endroits où ça a été réglé. Moi, je sais que dans le quartier Clairmatin, à l'époque, j'avais réglé des dossiers comme ça. Est-ce qu'il existerait d'autres choses? Est-ce qu'une espèce de petite balise décorative pourrait être installée, je ne sais pas. Aussi bête que cela puisse paraître, l'hiver, on permet des poteaux de bois parce que, puis une certaine grosseur, une certaine hauteur pour délimiter, là, pour le déneigeur.
Parce que si quelqu'un met un poteau en métal au lieu d'un poteau de bois, et avec son automobile, même s'il empiète sur le terrain du monsieur, puis il accroche son auto avec les poteaux de métal, bien, le propriétaire qui a mis le poteau de métal civilement pourrait être poursuivi pour les dommages à la voiture. Moi, ce que je voudrais, c'est que le comité des services, commission des services techniques analyse qu'est-ce qui pourrait être possible peut-être d'être installé. Le principe aussi d'équité, c'est vrai que c'est dans la servitude de la ville, mais c'est aussi une partie où, par règlement, le citoyen doit entretenir. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense que la commission des services techniques va se pencher pour voir, y a-t-il une autre solution? En tout cas, moi, je leur demande de voir qu'est-ce qui pourrait être fait, ou sinon, d'offrir encore la question de la bordure de béton. Et la bordure de béton, c'est pas perdu, ça, pour le propriétaire, parce que lorsqu'il vend sa propriété, ça devient une belle qualité. En tout cas, en fait, c'est à suivre. Donc, les services techniques vont vérifier le dossier. Merci, M. le maire, pour les précisions, parce que c'est quand même au bénéfice de, je pense, toute la population. Je ne dois pas être la seule qui doit avoir cette problématique-là dans son quartier. Merci. L'association maintenant des citoyens versus la guignolée qui va se faire différemment cette année. Oui, ben oui, les seigneurois et les seigneurois sont invités cette année. Bon, ça va être une année un petit peu différente compte tenu de la situation. Mais leur dynamique association de quartier ne pourra pas aller vers eux comme à chaque année avec le char allégorique. Donc, on va inviter les citoyens du quartier à venir vers elles. Donc, le 5 décembre prochain à la bibliothèque, c'est l'association de quartier qui va s'occuper de cette portion de ce point de chute-là. Je dis ce point de chute-là parce que dans tous les quartiers, il va y avoir un point de chute. D'ailleurs, j'invite les citoyens et citoyennes à aller sur le Facebook des Chevaliers de Colomb 1813. La liste avec tous les points de chute dans tous les quartiers est mentionnée et autres aussi. Il y a les quartiers, mais il y a d'autres endroits aussi. Donc, de 9h à 16h, le 5 décembre, pour la 105e édition de la Guignolée des Chevaliers de Colomb, on est très fiers de pouvoir encore participer à l'association de quartier. On va être au rendez-vous encore avec notre char allégorique et de la musique. Donc, ça va être très animé, notre point de chute. Très heureuse que l'association embarque avec cette édition un petit peu différente, mais ô combien importante pour la solidarité de la population eustachoise. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, maintenant, point 8, c'est le dépôt des états comparatifs qui est préparé par la trésorière de la ville, Mme Ginette Lacroix. Donc, on va regarder ça encore, on va analyser ça plus profondément avec le comité de finances, soit de novembre, si on a le temps, ou celui de décembre, parce que de toute façon, il faudra faire des résolutions à la fin décembre pour donner les orientations aux auditeurs pour nos états financiers. Donc, j'accepte un proposeur à Pillard, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Nomination d'un maire suppléant. Donc, M. Tessier a fini son mandat, il n'a quasiment rien fait. C'est incroyable. Non, mais c'est la situation de l'année hein, qui est comme ça là, avec la pandémie. Oui. Monsieur le maire, vous êtes en masse parce que vous avez travaillé en double puis en triple. Je pense que c'est sûr que notre travail à nous a été très simplifié. Je pense que vous étiez là tous les jours à l'hôtel de ville. Et, oui, ça a fait bien. En sorte que je n'ai pas eu beaucoup de travail, ça c'est vrai. Mais ouais. J'ai été souvent à l'hôtel de ville, je vous ai vu à chaque fois, M. le maire. Fait que moi, je dirais, je voudrais que je vous envoie un chèque. Mais de toute façon, il y a les événements aussi des organismes, hein, qu'il y a beaucoup moins, là, c'est évident. Et la prochaine période, qui est toujours une période très active, hein, novembre, décembre, malheureusement, cette année, avec la pandémie, là, ça va être différent. Mais merci beaucoup, M. Tessier. On arrive à la nomination d'un maire suppléant. Avez-vous des suggestions? Ben oui, on a un bon monsieur. Je crois que c'est M. Marc Lamarre, ce beau jeune homme.
Parfait. Donc, j'acceptais proposer à Pierre. Je propose. Et je vais l'appuyer. Bien, merci. Maintenant, les soumissions et contrats. Bon, le premier point, c'est l'achat regroupé. Là, c'est d'une façon annuelle qu'on fait ça. C'est pour l'acquisition d'abats poussières. C'est un dossier que l'on traite avec l'UMQ, ce qui fait un achat avec un très, très bon volume. Donc, on va demander un proposeur et appuyeur pour qu'on puisse faire ces achats en commun, y participer du moins. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la fourniture d'achat d'ivraison de pierre concassée, 3 mm net. Cette année, Uniroc qui obtient le contrat au montant de 41 225,44. C'est pour du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer également. Je vais l'appuyer. Merci. Le prochain point, c'est une chargeuse sous pneu 4 roues motrices. Malheureusement, il va falloir retourner. Il n'y a pas eu de soumission qui a été déposée. Donc, il faut quand même un proposeur et appuyeur là, pour le processus. Je vais l'appuyer. Bon, parfait. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, la fourniture, achat de 2 véhicules à usage policier qui est avec un concessionnaire assez loin quand même. Les V4, bien, regarde, c'est les règles de la soumission. C'est quand même montant de 132 735,19 taxes incluses. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Fourniture de produits chimiques, traitement de l'eau pour en 2021. Donc, c'est une résolution de mandat pour qu'on puisse avancer dans le dossier. Je pense que c'est Desmoulins, dans notre coin, là, à Terrebonne, qui s'occupe du dossier. Vous avez l'entreprise Rodox Chemical Limited pour la fourniture d'hydroxyde de sodium, 50 % en vrac liquide et 25 000 kilos. C'est un prix de 94,50 kilos base sèche, taxe en su. Donc, j'ai besoin de proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Après ça, vous avez le sodium, l'hypochlorite de sodium, 12 %. En fait, c'est du chlore, mais 12 %. Donc, c'est l'entreprise UBA Incorporée. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. La même chose dans l'hypochlorite de sodium. En vrac de 15 000 litres, parce que juste avant, c'était 1000 litres à la fois. Donc, c'est UBA, toujours incorporé. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. L'appuyer. Merci. Vous avez le polymère de décantation. C'est en sac de 25 kilos et ça vaut 5,23 du kilo. Donc, c'est Brentag Canada incorporé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le silicate de sodium, l'abréviation, vous en souvenez-vous? C'est N. C'est en vrac de 25 000 kilos liquide au prix de 39,20 du kilo liquide. C'est Brentag Canada aussi. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, le sulfate d'aluminium en vrac 30 000 kilos au prix de 20,40 avec Chimera Water Solution Canada Incorporé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, la fourniture de passe qu'on appelle 10 en baril de 205 litres au prix de 3,1485 du litre. Univar Canada Limité. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Polymère de décantation, 25 kg, 4,67 du kilo, Univar Canada Limité. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Polymère de distraction des bouts en sac de 25 kg à 5,839 kg, Univar Canada. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, l'autre produit, c'est de l'alufer à 10 %. C'est en vrac
de 30 000 kg liquide au prix de 22,70 avec Kemira Water Solution Canada Incorporé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Il y en a, hein, des produits, c'est incroyable. Oui, dernier, là. Maintenant, de la chaux-vive en vrac, 30 000 kg au prix de 45,20 sous du kilo avec Grémont Québec. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, la surveillance des détenus. Donc, c'est une soumission présentée par Production Sécurité Incorporée. Un taux horaire de 32,95, 1er janvier au 31 décembre 2021. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Fourniture et services de liens de télécommunications. Donc, pour les lots 6B, 6C et 7B, intervenir avec Réseau Fibre Blue Incorporé. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on arrive avec des exercices d'options de renouvellement. Donc, pour réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus verts. Donc, avec complexe Enviro Connexion Limitée. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Ensuite, travaux de déneigement des rues et trottoirs du secteur A. Donc, c'est avec réhabilitation du haut incorporé. C'est la troisième de trois options. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ensuite, vous avez le groupe Neveu pour le secteur de déneigement. Donc, c'est la deuxième de deux options de renouvellement. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, le secteur C, aussi renouvellement, deuxième de deux options avec Terre Constantin incorporé toujours pour le déneigement naturellement. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez le nettoyage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle. Donc, c'est une soumission avec CIMA Plus Construction Incorporée au montant de 19 584,80. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Service professionnel d'ingénierie pour préparer les plans et devis. Surveillance, rue Villeneuve, entre la rue Saint-Laurent et le boulevard Arthur-Sauvé, avec l'entreprise MLC Associés Incorporés. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. C'est dans le cadre du programme de la TEC. Maintenant, règlement décrétant un emprunt de 16 602 $, justement pour le programme de la TEC 2019-2023, programme entièrement financé, il ne faut pas s'inquiéter, c'est quand même un gros montant. Donc, c'est dans le cadre du règlement 1935. J'accepte un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, dans les obligations de construction, c'est transport CAFRI limité. C'était payé là, au montant de 1814,79. Dont 871,10 est payable par ADESA Corporation, mais tout est réglé. Donc, un proposeur et appuyant, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer, c'est-à-dire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Pour le personnel maintenant, embauche technicien en maintenance industrielle, M. Jimmy Dubuc. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Au service des eaux. Embauche assistant greffier, service du greffe et des affaires juridiques. On a perdu notre seul homme. Il n'est pas choqué là, après la ville. Il a fait un choix de carrière. Il s'en va professeur. Il veut l'enseigner au niveau du droit. Regarde, c'est quand même très louable. Là, et on lui souhaite bonne chance. Maintenant, c'est Mme Isabelle Boursier au poste d'assistant greffier. Donc, proposeur à Pierre, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Donc, on essaiera en tout cas de vous la présenter, je ne sais pas à quel moment, là, quand on tenait nos préparations de conseil, on était tous ensemble. On essaiera de trouver un truc peut-être à justement une préparation de conseil comme ça pour être en vidéo avec
avec notre hôte Isabelle, je ne sais pas, pour pouvoir vous la présenter. Maintenant, un beau journalier préposé, service du sport du plein air, M. Pascal Giguère. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les commissions et comités du conseil, nomination commission du conseil. En fait, au niveau de l'administration publique, là, c'est Mme Jocelyne Montreuil qui va remplacer Mme Lacroix là, en temps et lieu. Il faut quand même, il faut la nommer. Donc, il faut un proposeur et appuyeur dans ce cas-là. Je vais quand même vous nommer les autres changements. Mme Montreuil sera aussi à la commission de développement économique. Émilie Goffard à la commission d'aménagement du territoire d'habitation. La toponymie, M. Alexandre Bernier-Guindon, qui travaille à l'urbanisme, qui va remplacer M. Normand Rousseau. Commission de la revitalisation du vieux Saint-Eustache, Émilie Goffard, qui va remplacer Normand Rousseau et de Denis Trudel. Comité du développement agricole. M. Alexandre Bernier-Guindon, c'est un ajout. Il va siéger avec Normand Rousseau, du service de l'urbanisme. Le comité d'analyse des demandes de démolition des bâtiments d'intérêt patrimoniaux, Alexandre Bernier-Guindon, en remplacement de Normand Rousseau. Et au niveau du comité consultatif d'urbanisme, on a toujours quelqu'un qui est là au niveau du service des incendies. Donc, ce sera M. Steve Gassien, en remplacement de Charles de Rouville. Alors, tous ces postes-là, ça me prend un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, nomination au sein d'organismes. Donc, Karine Bourbonnais, à la place d'Isabelle Taillon, là, pour l'Association du sport et du plein air. Vous avez aussi Jocelyne Montreuil, qui remplace Ginette Lacroix, qui va remplacer Ginette Lacroix au niveau de la SODES. La Société de développement économique Saint-Eustache. Donc, il me faut proposer un appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive à la Commission administration publique des finances. Il y a deux procès-verbaux, Mme Dany, 21 et 29 octobre. Oui, merci, M. le maire. À l'Assemblée régulière, en fait, avec les deux assemblées, tout près d'une quinzaine de recommandations, l'Assemblée régulière, ce qui serait plus d'intérêt public, on a décidé cette année, à cause de la pandémie, en fait, et des différentes normes qui sont exigées, de demander pour les résidences intergénérationnelles de remplir le formulaire, mais on n'exige pas cette année qu'il soit assermenté. Également concernant la taxation non résidentielle dans les résidences, on a décidé de reporter d'une année la procédure d'envoi du formulaire. Ensuite, il y a quelques dossiers de réclamation qui sont réglés, ainsi que des travaux dans 6 de nos parcs. Et concernant l'Assemblée spéciale du 29 octobre, bien, on voulait, suite au dernier point de presse du gouvernement provincial, on s'est arrimé et on a décidé de reporter ou d'annuler certaines activités en raison de la poursuite des mesures sanitaires avec cette fameuse pandémie. Alors, je vous propose d'accepter les recommandations. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Développement économique, M. Parquet. Oui, vous avez deux recommandations. Une première qui est la vente d'une partie de l'eau, on parle de la rue Lassalle, donc on recommande que la conseillère de développement économique débute une négociation avec le futur acquéreur, ainsi qu'une recommandation de modifier une recommandation que nous avions faite simplement par le fait qu'on disait de jumeler deux lots et alors que c'était une partie d'un lot. Alors, c'est simplement une modification, une recommandation. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, la Commission de l'aménagement du territoire et de l'habitation. Oui, une seule recommandation, M. le maire, c'est concernant une demande de l'hôpital de Saint-Eustache pour un stationnement temporaire sur un lot situé sur le boulevard industriel. Alors, la Commission, considérant différents aspects, soit la problématique majeure de circulation, l'achalandage véhiculaire, les conflits de circulation et le fait qu'il y a d'autres alternatives, bien, les membres de la Commission recommandent le refus de la demande de l'hôpital d'instaurer un stationnement temporaire
En fait, c'est sur les terrains inoccupés de Metcalf. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La commission des services techniques, Mme Dany, c'était pour dépôt. Celui du 18 septembre, c'était pour dépôt. Oui, c'est ça. Voilà. Celui du 23 octobre maintenant. Oui. Alors, ce qu'on vous proposait, M. le maire, c'est d'approuver le concept d'aménagement de cases de stationnement au parc boisé des Moissons. Et également, on propose aussi un concept préliminaire d'aménagement à l'intersection Ferré-Boileau et également de transformer le trottoir sur la rue Boileau entre Ferré et Louise pour faire un trottoir multifonctionnel et ajouter évidemment du marquage et de la signalisation adéquate. Alors, je vous propose les recommandations. Merci. C'est appuyé par? Je vais l'appuyer. La présidente. Merci. Maintenant, merci. Commission des sports, plein air, loisirs, culture et communautaire, M. Raymond Tessier. Oui, M. le maire, on a 11 recommandations. Je pourrais vous signaler la création d'un nouvel organisme culturel en lieu de pandémie. On pense plus qu'il va y avoir plus d'organismes culturels qui vont abandonner, mais il s'ancre de la nouvelle. Donc, la troupelle du théâtre de la petite comédie. Il y a la municipalité Amis des enfants, protocole d'entente avec Jeunesse Atout, protocole d'entente La Mouvance, Centre des femmes, Parc de la nature Saint-Eustache, notre collègue Isabelle, Isabelle Mathioli, baseball mineur, création d'une catégorie junior, demi-marathon, gratuité des cours en plein air pour 2021, le Lepin, comme Mme Mathioli disait. J'ai la belle collaboration de mes collègues Nicole et Marc dans ces dossiers-là. Je vous en remercie. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Vous l'appuyez? Oui. Merci, Isabelle aussi. Isabelle Mathioli. Merci beaucoup. Commission de développement des arts de la culture, tenue. L'Assemblée tenue le 13 octobre, M. Tessier. Oui, M. le maire, il y a deux recommandations. Et l'orientation qu'on veut donner au dossier culturel en pandémie, c'est surtout faire en sorte d'équiper les organisations culturelles de notre ville en manière informatique, numérique, web. Donc, s'il y a des projets qui touchent cette manière de faire là, cette diffusion. Donc, on les encourage fortement et on les subventionne si c'est possible. Donc, j'en fais deux. La recommandation, M. le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Okay. Merci. Merci. Commission de la sécurité publique, M. Roy, je crois que c'était pour dépôt. Exactement, oui. Commission de la circulation des transports, Mme Mallette. Mme Sylvie Mallette. Vite en son. Votre micro. Oui, bonjour. Oui, effectivement, M. le maire. Donc, plusieurs recommandations au procès-verbal dont je vais vous en faire la lecture. D'une, vous savez, au niveau de la commission de la circulation, il est important aussi d'adapter les mesures d'atténuation de vitesse lors de travaux, donc d'arrimer avec le service du génie. Et ici, nous avons une recommandation de l'installation d'un panneau de stationnement interdit afin de favoriser le passage des véhicules d'urgence de l'entrée de la... au niveau du service génie, pour la 46e avenue et un seuil de ralentissement temporaire pendant les travaux et d'arrimer avec le service du génie. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Moi, je vais l'appuyer. Je vais remercier Mme Mallette pour la 46e avenue. Merci. Merci beaucoup. Donc, appuyé par M. Roy. Commission d'environnement et d'embellissement, Mme Isabelle Lefebvre. Oui, une seule recommandation, en fait, c'est de reporter la date limite au 23 novembre pour permettre aux écoles de soumettre un projet dans le cadre de l'aide financière pour la réalisation d'un projet en milieu scolaire. Donc, on avait mis la date du mois d'octobre, mais ça ne donnait pas assez de temps aux écoles de se préparer pour monter un projet. Donc, la recommandation, c'était de reporter la date limite au 23 novembre. Donc, je propose le procès-verbal. Okay. Et je vais l'appuyer. Merci. Merci beaucoup. Commission des communications en relation avec les citoyens, Mme Carignan.
Oui, M. le maire, on a deux recommandations. Par contre, la recommandation 2020-10-016, j'aimerais l'annuler pour revision. Et je propose de recommander au conseil de tenir une consultation publique pour l'actualisation de la politique culturelle de la ville de Saint-Eustache. Donc, j'en fais la proposition. Je ne sais pas si c'est le bon montant de retirer la première la proposition. Oui, c'est correct. Ça va être correct, bon. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La commission jeunesse, M. Lamar. Oui, donc, M. Lamar, nous avons une recommandation. On veut, on recommande d'acheter des vêtements promotionnels avec le logo imprimé pour nos jeunes qui s'impliquent activement là, au niveau des événements pour notre ville. Donc, je le recommande. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquet. Oui, M. le maire, plusieurs recommandations. Quelques-unes toutefois dont je voudrais attirer votre attention. On vous recommande un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour finalement le 350 rue Saint-Eustache. C'est le site au coin de la rue Ferry. C'est un immeuble 6 logements que nous vous recommandons. Je dirais qu'après avoir refusé 3 propositions qui ne satisfaisaient pas les exigences d'intégration à cet endroit, bien, les membres de CCU recommandent cette fois l'acceptation du projet, avec certaines conditions toutefois, parce que celui-ci s'intègre beaucoup mieux à l'environnement existant. Ensuite, vous en avez déjà parlé, je crois, d'une petite problématique cette année compte tenu de la pandémie, de l'entreposage des VR, des véhicules récréatifs en période hivernale. Donc, les membres de la CCU, compte tenu de la situation que nous vivons, transmettent une recommandation favorable à ce que les personnes concernées puissent être dirigées vers l'entreprise Adesta, qui pourrait leur offrir des services d'entreposage de leurs véhicules. Dans un premier temps, nous avions accepté de prolonger la date d'entreposage. Maintenant, c'est une possibilité additionnelle qu'on peut leur accorder. Nous avons également eu, compte tenu de tout ce qui se passe à l'hôpital, une demande concernant un bâtiment temporaire à l'arrière de l'hôpital pour le revêtement. On recommande donc sur ce bâtiment administratif un revêtement de maçonnerie, mais le plus important, c'est que nous avons dans la même recommandation proposé également que, au niveau du fameux dôme qui a été installé, qui sera là de façon temporaire, mais pour quelques années, pour éviter que sur les fondations, il puisse y avoir toutes sortes de choses telles que des graffitis. Il est en bordure de la 640, mais le boulevard Arthur Sauvé. Donc, on recommande à l'hôpital de trouver un moyen pour... en fin de compte, cacher ces fondations-là, que ce soit par la plantation, que ce soit par des vignes, par une clôture opaque, mais pour éviter que ce soit très tentant là, pour certains groupes de personnes de faire des graffitis et que ce soit très apparent. Ensuite, tantôt, nous avons accepté une dérogation mineure pour l'entrée chartière d'un commerce sur la rue Poirier. Dans le CCU, nous... recommandons le refus, par contre, du retrait d'un îlot de verdure qui est en quelque sorte requis par la demande de dérogation mineure. Toutefois, on recommande de redistribuer les espaces verts concernés ailleurs sur le site. Et enfin, je vous dirais, sur une note un petit peu plus humoristique, mais non moins sérieuse, les membres... vous font une recommandation à une demande qui consistait à analyser un exploit exceptionnel de la part d'un jeune résident de Saint-Eustache, soit Alexis Lafrenière. Et les membres souhaitaient que dans les annales des procès-verbaux du CCU, qu'il y ait une trace de ce grand exploit-là. Et je prends le temps de vous lire quelques considérants pour notre résolution. Considérant que cette personne a littéralement cadastré les patinoires de la ville de Saint-Eustache, considérant qu'il n'a pas eu de besoin de dérogation mineure pour jouer dans les majeures, considérant son pôle de développement, considérant sa facilité à jouer dans toutes les zones,
considérant son programme particulier d'apprentissage, soit le PPA, considérant que nous sommes confiants que l'équipe des Rangers de New York l'aideront au niveau de son implantation et de son intégration dans l'équipe et dans la ville, considérant que les modifications réglementaires apportées par la LNH en raison de la COVID ne l'empêcheront pas de connaître du succès, et surtout, considérant que la réglementation municipale de Saint-Eustache permettra la libre circulation de la Coupe Stanley dans nos rues dans un avenir sûrement rapproché. Pour tous ces motifs, les membres du comité tiennent à souligner et à féliciter Alexis Lafrenière pour son exploit et lui souhaitent le meilleur des succès dans sa carrière. Alors, on tenait que ce soit inscrit au procès-verbal parce que c'est un fait méritoire. J'en fais la proposition. Bon, disons qu'au niveau de l'urbanisme, il y a quand même deux aspects. Oui. par rapport à l'arrêté ministériel, là, considérant qu'il y a demande de dérogation mineure pour le 74-74e avenue, le 147 rue Saint-Laurent, c'est un usage conditionnel. Donc, pour ces points-là, il va y avoir une consultation là, qui va être écrite relativement à ces demandes. Je vais commencer par prendre un proposeur et appuyeur pour ces deux points-là, si c'est possible. Je le propose. Je vais l'appuyer. Et ensuite, bien, le procès verbal de l'Assemblée tenu le 15 octobre pour, entre autres, là, les différents PIA, proposeurs et appuyeurs, s'il vous plaît. Propose également. Je vais l'appuyer. Merci. Directrice du greffe et des affaires juridiques. Madame Boileau, il y a l'acquisition d'immeubles, là, c'est avec le groupe L'Héritage. Vous avez deux résolutions là, distinctes là, pour des lots différents. Donc, je peux prendre un proposeur appuyeur pour les deux propositions. Je le proposerai en bloc, oui, monsieur le maire. Je vais seconder en bloc également. Parfait. Calendrier des séances ordinaires. On a fait un petit ajustement là, pour la séance du mois de novembre 2021. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Servitude des sessions de conduite principale, syndicat des copropriétaires, du 430 et 470 des hirondelles. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Je vais appuyer. Vous avez une servitude avec M. Yvan Lévesque, 37 rue Ferré. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez directeur du module administratif et communautaire, demande d'aide financière. En fait, c'est pour le Fonds du patrimoine culturel québécois. Là, c'est pour d'autres travaux pour le Moulin Légaré. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. J'appuie. Vous avez le Festival Opéra de Saint-Eustache, conclusion d'une entente. Donc, c'est l'entente habituelle avec le festival. J'en fais proposition, monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Ensuite, MUSEC, SAS, licence concernant l'accès et l'utilisation de la ressource numérique. C'est en lien avec la bibliothèque. Exact. Proposeur habitant. Appuyant, pardon, s'il vous plaît. Je propose. Je vais l'appuyer. Maintenant, vous avez le dépôt, ce qui vous a été présenté, le bilan sur l'usage de l'eau 2019. Donc, pour un proposeur appuyant. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, vous avez aussi un dépôt à la Commission de protection du territoire agricole, une demande d'autorisation qui est en lien avec notre parc nature. Donc, j'ai besoin d'un proposeur appuyant. Et je suis très fière, monsieur le maire, très de le proposer. Ça va répondre à des questions des citoyens suite à notre consultation qu'on a eue le 7 octobre. Donc, très, très heureuse de le proposer et très hâte d'avoir les réponses. OK. Appuyant, s'il vous plaît, monsieur Roy, j'imagine. Oui, je vais appuyer, oui. Merci. Autre demande à la CPTAQ dans un dossier privé pour le 20 chemin du Petit Chico. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci.
Ensuite, vous avez l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes. Étant donné qu'on est déjà là, ben, il faut qu'on fasse une proposition et proposeur appuyable pour accepter cette adhésion. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, un avis d'imposition de réserve foncière pour ADESA. Là aussi, il me faut un proposeur appuyable pour les différents lots qui touchent ADESA. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Membre des comités de retraite nomination. Donc, je vais vous les résumer. C'est retrait des employés Code Bleu et Blanc, M. François Bélanger, Isabelle Gauthier, Jocelyne Montreuil, Bastien Morin. On comprend que Mme Montreuil va remplacer Ginette. Retraite des policiers, Christian Bellemare, Pierre Thériault et Thierry Vallière. Des employés cadres, Christian Bellemare, Jocelyne Montreuil et Thierry Vallière. Donc, proposition de quelqu'un et avec un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, les trois prochaines résolutions, c'est dans le programme FIMO. C'est l'entente là, pour les infrastructures municipales d'eau pour la 43, la 44 et la 45e avenue. Donc, je peux prendre proposeur appuyant pour les trois. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la Caisse centrale des jardins, autorisation que le directeur général, les directeurs généraux adjoints, la trésorière, soient les représentants de la ville à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra de la Caisse. Donc, il faut un proposeur appuyable dans ce dossier-là. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. C'est la même chose pour Revenu Québec, l'autorisation. Les mêmes personnes là, peuvent avoir, entre autres, à gérer l'inscription de la ville, à Clic Sécure, etc. Je propose aussi, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Politique de financement, régime complémentaire de retrait des employés cadres de la ville de Saint-Eustache. Donc, il faut un proposeur appuyable pour le régime complémentaire. Je vais le proposer. Je l'appuie. La même chose, la prochaine, c'est pour celui des policiers de la ville de Saint-Eustache. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Rapport de construction pour le mois d'octobre 2020. Oui, M. le maire, comme je vous le disais l'autre fois, compte tenu de l'année que nous vivons, les chiffres sont bons. Au niveau du mois d'octobre, la valeur des permis émis est de pratiquement 13 millions, 12 millions 9, alors que l'année dernière, elle était de 13 millions 8, ce qui n'est pas si mal. Et puis, au global, nous sommes également pas si mal, en bonne posture, avec 57,5 millions de valeurs de permis émis, comparativement à 70,5. Compte tenu de la situation, on peut considérer que c'est bon. Merci beaucoup. Vous avez maintenant les comptes payés à payer pour le mois d'octobre. Que je vous propose. Je vais l'appuyer. Je t'appuie. Bon. Et là, avant de faire la levée de la séance, ça va vite pour Patrice et Nicole. 20 ans d'implication au niveau de leur ville, auprès de leurs citoyens, pour leur quartier. Bravo, c'est quand même... C'est des années de représentation des citoyens, ou aussi de faire partie des comités, aussi des fois de défendre l'institution qui est notre ville, parce qu'on a un devoir hein, de défendre l'institution qui est notre ville, de représenter aussi les citoyens, mais il y a un mariage à faire là, pour les deux responsabilités, et je vous en félicite, là, c'est quand même très bien fait. Alors bravo, lâchez pas. Bravo. Ben, merci, monsieur le maire. Bravo. Vous avez la levée de la séance. Je vais permettre de quoi? On va laisser les deux anciens. On va laisser oui. Patrice et Nicole. Ben oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est pas grave. Faire cette proposition et cet appui. Alors, lequel de vous deux propose? Moi, je laisse la place à Nicole, ma chère collègue. Il est galant. Je le propose, oui.
Et je vais l'appuyer. En merci. Route pour une 21e année. Oui, oui. Merci à tous. Et merci. Bravo, merci beaucoup. Tout le monde. Merci. Merci. Bravo. Au revoir. Bonne soirée. Félicitations.